faudrait d'abord s'aimer et puis s'accepter. Ça, c'est l'ordre. Je pense que c'est l'ordre logique. S'aimer, puis s'accepter sa personne, l'acceptation de soi, l'acceptation de son identité, en fait. Voilà, en fait, faut s'accepter pour être en plein accord avec soi-même. Faut, voilà, genre en écoutant nos pensées, on a 80% de connaître. On est à 80% de connaître qui on est vraiment. En fait, vous acceptez en fait qui vous êtes parce que par les actions que vous avez faites ultérieurement, en fait, vous êtes la personne d'aujourd'hui. C'est moi qui influence le monde et non pas l'inverse. Il faut que tu acceptes en fait qui tu es. Il faut que tu sois en accord avec qui tu es et il faut que tu t'aimes. Donc, c'est ça. Masouk! Salut les gars! J'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, moi ça va très bien. Très 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 bien. On se retrouve pour une vidéo. Et c'est une vidéo sur l'acceptation. L'acceptation de soi, l'acceptation de sa personne. Et vraiment, c'est une thématique. Retrouvez-moi sur Instagram, c'est là où tout se passe et je suis plus proche de vous, je fais des trucs sympas, des stories, tout ça, tout ce qui se fait sur Instagram, je fais tout, 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 tout. Très important, car qui est très importante pour moi parce que j'avais du mal à m'accepter en fait. Franchement, c'est dur en fait. Et je vais vous expliquer tout ça dans le reste de la vidéo. Et voilà, et vous dire ce que cela signifie en fait pour moi. Attendez, je voulais dire un Donc, truc, j'ai zappé. Et aussi, si vous regardez cette vidéo, ça veut dire que vous avez regardé ma dernière vidéo. Et ma dernière vidéo, en fait, était sur le fait de s'aimer, en fait, l'amour propre. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo d'abord avant de regarder celle-ci. Parce que je pense que d'abord, il faudrait regarder la vidéo de l'amour propre. Il faudrait d'abord s'aimer et puis s'accepter. Ça, c'est l'ordre. Je pense que c'est l'ordre logique. S'aimer, puis s'accepter. Donc voilà. Sans plus tarder, on passe avec la suite de la vidéo en fait. L'acceptation. Qu'est-ce que c'est que pour moi l'acceptation? Déjà, dans un premier temps, l'acceptation. Là, je parle plus l'acceptation en fait de sa personne, l'acceptation de soi, l'acceptation de son identité en fait, l'acceptation de nous, de notre être. Donc voilà, l'acceptation, c'est-à-dire de sa personne. Donc là, moi par exemple, on va prendre exemple sur moi parce que comme vous me regardez, moi je peux pas vous voir, mais vous, vous me voyez. Je m'appelle Leslie, comme vous pouvez le voir. Je suis une jeune femme. Je suis noire, j'ai les cheveux texturés, crépus. Là, en l'occurrence, je suis tellement fière. À chaque fois, je le dis, j'ai des locks. Voilà, je suis camerounaise, voilà, je suis africaine. Donc, tout ça, ça fait partie de mon identité. Voilà, mais pas que, en fait. Mon identité aussi, c'est mon caractère, c'est. Quel est mon tempérament, comment je suis, voilà ce que j'aime en fait, ce que j'aime, tout ça et mes goûts. Ça, c'est vraiment ma personne en globalité. Et mon identité, c'est ce que je vous ai dit plus tôt par rapport au fait que, voilà, je suis africaine, tout ça, je m'appelle Leslie. Mon identité sur papier, c'est je m'appelle en fait Leslie tant tant tant. Voilà. De toute façon, normalement, vous le savez, que mon nom de famille, je sais même pas pourquoi je suis la meuf. Donc voilà. Mais par contre, je m'appelle Leslie tant tant tant.
J'ai 19 ans et demi. Je suis née le 26 mai 2003. J'ai les yeux marrons. Tout ça, c'est mon identité. Et voilà, en fait, faut s'accepter pour être en plein accord avec soi-même. Faut, voilà, en plus, dans accord, il y a le mot accepter. Ça découle de la même racine, en fait. Pour être en accord avec soi-même, faut s'accepter. Donc voilà, s'accepter physiquement, s'accepter sur le point de vue de notre caractère, en fait. Savoir ce que, en fait, on aime et ce qu'on n'aime pas. Donc ça veut dire quand on s'accepte, par exemple, je vous fais une petite mise en situation. J'aime bien faire des petites mises en situation comme ça. En fait, ça nous emporte et voilà quoi. Et on se... Comment dire ça? Projette mieux. Voilà. Là, c'est le bon mot. On se projette mieux. Par exemple, moi, Leslie, là, on va dire, je ne m'accepte pas. Et voilà. Et comme je ne m'accepte pas à ma juste valeur et qui je suis vraiment, je vais en fait poser des actes qui sont à l'encontre de moi-même. Donc moi, je sais très bien que, par exemple, je veux dire un exemple, j'aime bien être au calme. Je ne suis pas trop le genre de fille à aller en boîte, à aller en soirée, ceci, cela. Je suis plutôt introvertie et solitaire. Et donc, ça, je ne l'accepte pas au fond de moi parce que, voilà, on est jeune et on a envie de sortir. Et moi, et par exemple, mon amie est à l'inverse de moi. Elle aime bien sortir, elle aime bien s'amuser, aller dans des soirées, ceci, cela. Et elle me propose plusieurs fois cela, en fait. Et bah, il y a parfois, j'accepte, voilà, pour entretenir notre amitié et se créer des liens. Mais je ne peux pas tout le temps accepter ça. Accepter ces propositions parce que ça va à l'encontre de moi-même en fait, parce que au bout d'un moment en fait ça va drainer ton énergie et tu vas en fait tu vas vraiment pas franchement aimer le moment présent et tu vas dire j'ai souvent été dans des situations et tout, pourquoi je suis sortie en fait, genre j'aurais dû rester chez moi, genre je suis bien chez moi, pourquoi je suis sortie et tout. Et ça, en fait, juste le fait que t'as pas pu accepter, en fait, qui tu es vraiment. Là, je donne un exemple vraiment comme ça. Qui tu es vraiment, bah, voilà, ça t'as fait des actes à l'encontre de ta réelle nature. Et en fait, ça te met dans des situations inconfortables. Donc, voilà. Je sais pas si vous comprenez, mais c'est ça, quoi. C'est aussi s'accepter, l'acceptation, c'est aussi accepter en fait ses pensées, qui nous sommes vraiment. Et voilà, et par nos pensées, en fait, juste, genre en écoutant nos pensées, on a 80% de connaître, on est à 80% de connaître qui on est. Genre, écoute-toi, écoute ton sixième sens, écoute ta petite voix là qui te souffle des choses. Genre, écoute tes pensées et que ce soit tes plus belles et fantastiques pensées que tes plus, en fait, sombres et tes plus grandes peurs. Parce que de cela, en fait, ça découle quelque chose et tu peux en apprendre, mais franchement, tellement, tellement, tellement. Et parfois, en fait, j'ai ces pensées, genre, je sais pas, me critiquez pas, on n'est pas dans le jugement. Donc voilà. Il y a parfois, je suis comme ça, et genre, je prends souvent les transports. Comme beaucoup d'entre vous, j'habite en région parisienne, donc je prends souvent les transports, et parfois, je suis là, je me mets à critiquer les gens, à juger les gens. Oh, regarde ses chaussures. Oh, regarde son gros sac à lui là. Oh, ceci, cela, tu vois des trucs, voilà, comme ça, comme si, mais il y a, mais ça, en fait, ça m'informe de quelque chose en moi, genre, ou
où parfois, genre, il y a vraiment des personnes qui s'habillent bien et tout. Parfois, je vais, je sais pas, méchamment, alors que je sais au fond de moi que, en fait, j'aime bien comment la personne elle est et tout, et genre, méchamment, je vais dire, comme quelqu'un, là, par exemple, là, je vais donner un exemple, genre, ce qui s'est passé dans ma journée, j'ai pris les transports et tout, et il y avait un homme, il avait un hyper beau sac et tout, et je le savais que son sac, il est hyper beau et tout. Et voilà, et en fait, je me suis dit, ah, ça se voit, lui, il est bien riche là, bien l'argent là, mais genre, j'ai dit ça, mais dans ma tête, et c'était genre de façon méchante, alors qu'en réalité, c'est ce que je voulais, ce qui était vraiment, genre, dans ma pensée, c'est que, en fait, j'aimais bien son sac, et en quelque sorte, je l'enviais. Et vous voyez? Là, j'ai écouté ma pensée et là, je l'ai décortiquée. Donc, là, j'ai compris quelque chose en moi, tu vois. Genre, peut-être que là, vous avez vu, j'ai bien aimé son sac. Et que j'ai bien aimé son sac, ça relève du fait que, en fait, j'ai certains goûts. Bah, il y a assez peu. En fait, j'ai certains goûts pour ce genre de, bah, d'objet, en fait, de sac. J'ai pu dire quelque chose de méchant. Ça relève du fait que. En fait, moi, je suis pauvre, j'ai pas d'argent. Et c'est pour ça que je l'ai dit, je me le suis dit méchamment, en fait. Ne pas avoir De mauvaises pensées, nous sommes des êtres humains, genre. Franchement, nous sommes des êtres humains et on aura toujours, en fait, le bien et le mal. On aura toujours de bonnes pensées et des pensées plutôt négatives. Et vraiment, faut embrasser les deux. Et les comprendre et les accepter. Voilà. Vous voyez, ça, je détiens une information grâce à ça. Et le fait que vous écoutez vos pensées, bah, ça peut vraiment, vraiment vous aider en fait. Et accepter vos pensées et être en accord avec celles-ci. Voilà. Même, et de toute façon, vous pourrez jamais ne pas avoir de mauvaises. Et aussi accepter en fait quoi? Accepter bah, les expériences passées et ne pas avoir de regrets, c'est très compliqué. Moi-même, j'ai au passé, j'ai eu des expériences et tout. Et il y a souvent là, il y a même pas peu de temps, j'y repensais et en fait, je regrettais. Mais non, ne regrettez pas. Accepter ces pensées-là, accepter les actions que vous avez faites là, parce qu'en acceptant des actions que vous avez faites ultérieurement, en fait, vous acceptez en fait qui vous êtes, parce que par les actions que vous avez faites ultérieurement, en fait, vous êtes la personne d'aujourd'hui, donc c'est ok en fait, acceptez-les et tout le monde fait des erreurs, genre, n'ayez pas de regrets. Et tirer plutôt en fait le bon, en fait des leçons, voilà. Voilà, voyez un autre regard en fait. Vraiment, ayez un tout autre regard par rapport à ça et par rapport aux regrets, voilà, et aux fautes qu'on fait. Là, je vais vous faire, je vais vous lire une petite définition. Du verbe accepter. Voilà, accepter c'est quoi? La meilleure des définitions que j'ai pu trouver c'est agréer ce qui est offert, approuver une chose, la considérer comme juste. Voilà. Donc, agréer une chose et la considérer en fait comme juste. Donc là, par rapport à ce que je vous disais précédemment, par rapport au regret, donc ce regret-là, cette expérience que vous avez eue là, ou ce comportement en fait que vous avez eu, ou je sais pas quel est votre regret, en fait, acceptez là, acceptez ça, et considérez là, en fait. Vraiment, déjà par le mot considérer, on peut soulever beaucoup de choses. Considérer, c'est quoi? C'est en fait, genre, c'est pas juste le.
l'avoir en fait, le comprendre, c'est vraiment considérer une chose, c'est l'apprendre et la comprendre en fait. Donc comprenez pourquoi vous avez eu du regret par rapport à ça et acceptez-la comme juste en fait. Oui, j'ai fait ça, mais voilà, ça fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui et que, à part ce regret-là que j'ai eu, je vais glow up en fait. Je vais aligner un comportement, voilà, un meilleur comportement. Désolée, un meilleur Et comportement. Je tiens en fait à dire une citation que j'ai entendue sortant de la bouche d'une youtubeuse. Elle s'appelle Yolène. Après, je ne sais pas quel est son nom, bah, je vais l'écrire ici en gros. Je vous invite à regarder sa chaîne, elle est hyper bien. Et je trouve que cette femme, elle est hyper sage, genre, franchement. Et elle a dit dans sa vidéo, et ça m'a pas mal en fait interpellée, genre, elle a dit, c'est moi qui influence le monde et non pas l'inverse. Je vous ai pas paraphrasé exactement ce qu'elle a dit, mais en gros, l'idée principale, c'était ça. C'est moi qui influence le monde et pas l'inverse en fait. C'est moi qui influence le monde et c'est pas le monde qui m'influence. Vous voyez ou pas la subtilité? Nous, dans le monde là, nous, on est là en fait pour faire bouger le monde, pour l'influencer, pour faire ceci, pour faire cela. Et c'est pas en fait les événements extérieurs qui doivent en fait bah, t'influencer et te guider en fait. Non, non, non. C'est toi qui influences le monde. Et pour avoir ce pouvoir-là, il faut en fait tu t'acceptes. Voilà, clairement. Il faut que tu acceptes en fait qui tu es. Il faut que tu sois en accord avec qui tu es. Et il faut que tu t'aimes. Donc, c'est ça sur ce. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Les gars, on se retrouve samedi prochain à 19h30. De toute façon, je publie tous les samedis, toutes les semaines. Tous les samedis à 19h30. Il y a une chaîne. Que vous ayez la notification ou pas, vous pouvez vous rendre sur ma chaîne YouTube, sur ma page d'accueil et retrouver une nouvelle vidéo en fait le samedi à 19h30. Et je vous invite, si vous avez regardé toute la vidéo et si cela vous a parlé en fait, je vous invite à vous abonner et lâcher un petit pouce bleu et aussi commenter en fait, commenter votre expérience et à quel niveau vous êtes dans votre acceptation. Moi, personnellement, je suis pas dans l'acceptation totale. Je tends à aller vers cela, mais je le suis pas encore. Mais je pense que là, je suis à un 55-60%. Déjà, je pense le fait que j'allume ma caméra et que là, je vous parle pendant au moins, je sais pas, mais là, sur mon téléphone, il y a écrit 17 minutes, au moins pendant 20 minutes. Et voilà, et que j'ai cette force, je pense que je m'accepte pas mal. Et le fait que je puisse filmer cette vidéo sur la thématique de l'acceptation, je pense que voilà, je suis plutôt sur la bonne voie. Donc c'est ça. Salut les gars, comme je vous le dis tout le temps, je vous aime de ouf. Et prenez très soin de vous. Rendez-vous samedi à 19h30. Voilà, abonnez-vous.